L'Institut Cœur-Poumon, c'est une vraie aventure et un super projet qui vise à créer des synergies entre les équipes qui étaient rassemblées dans deux bâtiments sur des organes différents, le cœur, le poumon et les vaisseaux, mais qui ont une vraie logique médicale, chirurgicale. D'une part, on va bénéficier d'un plateau technique interventionnel, opératoire de très haut niveau, permettant de rassembler toutes les équipes, avec également donc des projets de recherche autour de cette technique interventionnelle cardiaque, vasculaire et autres, mais également thoracique. Alors l'ICP effectivement est un établissement ouvert sur son environnement. C'est notamment à travers son plateau technique pour le centre hospitalier de Douai, pour le centre hospitalier de Seclin et d'autres coopérations sont en train de se tisser dans le cadre du GHT sur l'île métropole Flandre intérieure et également à des praticiens libéraux qui pourront réaliser leurs actes sur le plateau de l'ICP. On a réfléchi à une simplification de l'accueil et on a donc positionné l'ensemble des accueils médicaux administratifs au sein des services de soins. Notre objectif, c'était vraiment une prise en charge du patient au plus près des services de soins. On a des chambres qui sont opérationnelles, où on peut installer le matériel, où on peut s'occuper des patients sans se buter contre tout. On a vraiment de très grandes chambres. Pour les patients, c'est extra. Chaque bâtiment a son identité, chaque bâtiment a son organisation. Je pense qu'il y a des choses effectivement qui se mettent en place. Je pense pour ceux qui arrivent sur ICP, il y a beaucoup de changements dans les organisations, mais il y a des organisations qu'il faut justement ajuster, celles qui existaient auparavant, qu'on est obligé d'aménager tous ensemble. Et c'est ça qui est important. Alors je suis extrêmement fier parce que je pense que, comme j'ai un peu toujours dit, mon slogan pour l'Institut Cœur-Poumon, c'est que ça va être un bâtiment qui est au cœur du CHU, de son campus hospital universitaire, et qui va donner un nouveau souffle à ce campus. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être aussi un modèle d'organisation nouvelle au sein du CHU pour les équipes médicales, paramédicales et de support. L'Institut Cœur-Poumon, une aventure médico-scientifique extraordinaire. Un hôpital magnifique au service de la population. 1500 personnes y travaillent, médecins, soignants et tous les métiers, dans une volonté de recherche de l'excellence, l'excellence offerte à tous. C'est l'hôpital public, c'est le CHU de Lille, c'est le cœur de notre campus, c'est notre mission au service de la population de toute la région.